Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très 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 contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va enfin, j'allais dire, mais bon, en tout cas, on va remplir les enveloppes du mois. Il n'y a rien à enlever dans les enveloppes de la semaine, puisque vous savez, je l'ai fait dimanche dernier. Là aujourd'hui, en fait, on est vendredi. Oui, c'est ça, on est vendredi. J'ai eu les sous avant, j'ai été payée avant, mais j'en ai pas eu besoin, donc j'ai pas retiré avant et j'ai pas fait les enveloppes avant. Voilà, donc là on est vendredi et on va donc remplir les enveloppes du mois. Pardon, excusez-moi, franchement je suis malade cette semaine, un truc de fou. Si vous avez vu ma vidéo du coup retour de course, vous savez. Donc je lutte un peu, mais on va y aller. Avant tout, je voulais vous dire, j'ai pas eu le temps du coup, entre le travail et le fait que cette semaine, vraiment, j'étais vraiment malade, de vous dire que ça y est, mon projet secret, entre guillemets, est dévoilé. Si vous me suivez sur les autres réseaux sociaux, vous le savez déjà, j'ai créé ma marque de bijoux. Et donc pour ceux qui me suivent que sur YouTube, je vous mets quand même le lien juste là. Je vous la mets sur l'écran et je vous le mets en barre d'infos. Allez, on y va, on commence, parce qu'il est très tôt le matin et du coup là j'en ai fait que commencer, j'ai une tonne de travail. Donc je vais réfléchir un peu, hein. Franchement ça va pas être fluide comme d'habitude, mais comme dit, j'ai pas toute ma tête là. On commence par l'alimentation. Donc du coup vous le savez déjà, si vous n'avez pas vu ma vidéo retour de course, je vous la mets en haut sur l'écran. Pardon. Je me suis fait livrer du coup par Joe, via l'application Joe, parce qu'encore une fois je suis malade et donc j'avais pas le courage, pas la force d'aller à Leclerc, donc je me suis fait livrer. J'en ai eu pour 70 €, mais j'avais quand même prévu 400 €. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 300 € pour les 3 prochaines semaines et les 30 €, la différence, puisque j'avais prévu déjà, j'avais, oula, j'avais prévu 100 €, quoi. Donc j'ai quand même retiré les 300 € de différence pour les mettre dans ma pochette extra, parce que ça fait partie du budget que j'avais compté. Donc même si j'ai payé par carte, je vais les mettre de côté, ces 30 €. J'espère que ça vous paraît clair. Donc dans l'alimentation pour cette semaine, je mets rien, puisque les courses sont déjà faites. Et non, je vous dis des bêtises. Attendez, du coup ça me perturbe. Si je vais mettre les 100 € pour, ça sera pour les courses que je ferai vendredi prochain. Ceux-là, je vais les mettre là. Ça me perturbe là du coup. On fait les courses avant. Donc là, je mets 200 €. Ici, je mets 100 € parce que jeudi ou vendredi prochain, je ferai les courses. Et évidemment, j'aurai pas... j'aurai pas... Enfin bref, je sais pas trop si j'aurai filmé. Normalement, je filme le vendredi matin, mais bref. Je les mets là, on verra si quand je filmerai, ils seront encore là ou si j'aurai déjà fait les courses. Et franchement, je suis... Bref, je suis pas nette là. Et les 30 €, donc des courses de cette semaine que je mets en extra. Hop. Parce que je les ai faites hier, je les ai faites mercredi soir, on s'est fait livrer hier, donc on a tout ce qu'il faut. Loisirs, il y a les 20 €, vous savez, de la semaine dernière, où c'était les garçons qui étaient malades. Cette semaine, c'est nous, mon mari et moi, qui sommes malades. Donc franchement, on n'a toujours rien fait. Mais là, je vais rajouter, du coup, pour... Hop là, j'ai mal trié ici. Hop. Donc 80 € pour ce mois-ci. 8. Je vais laisser les 20 € ici et je vais mettre les 80 ici. Comme ça, en tout cas, on sait comment dirais-je, si on a envie d'aller au cinéma ou trampoline park, ça fait un moment qu'on n'y a pas été, bref, peu importe, bah, eh bien, on pourra y aller. Mais on verra, parce que franchement, en ce moment, c'est compliqué de faire tout ça, donc on verra. Ensuite, d'hiver, c'est pareil, 80 €, 4... 6, 8. Donc là, je mets 20 € ici. Hop. Et le reste, donc 60 € ici. Donc pour ceux qui nous rejoignent tout juste, ça c'est mon... déjà, bienvenue. Bienvenue parmi nous.
Ça, c'est mon portefeuille. Ça, c'est mon classeur avec mes épargnes, vous allez voir tout à l'heure. Et ça, c'est mon classeur avec mon budget du mois. Donc là, j'ai mon budget de la semaine et là, j'ai le restant pour le mois. Entretien, 30 euros. Alors, je mets 30 euros, mais sincèrement, c'est même pas. Bon, je verrai. Mais il faut pas grand-chose en fait. Ce que je vous avais déjà dit, me semble-t-il, j'achète en gros aussi ça en grosse quantité et du coup, j'ai pas forcément besoin tout le temps. Voilà. Là, pour l'instant, je pense que j'ai presque tout. Bref, on verra. Franchement, j'ai fait ça encore une fois vite fait, mais là, ça fait 2 semaines, c'est très compliqué. Entre les garçons la semaine dernière, c'était très très difficile. Et là, cette semaine, c'est moi qui suis difficile. Donc voilà, ça arrive. Hein. Donc perso, je mets 20 euros. Et évidemment, défi 5 euros, je ne mets rien. Ok, donc là, on en a fini avec ces deux-là que je vais mettre ici et on va faire. Les épargnes. Donc extra, on a forcément, du coup, j'allais dire forcément, mais on a les 30 euros que je viens de mettre. Est-ce que vous voyez bien là? Je vais le monter un petit peu. Fonds d'urgence, ça c'est les sous que j'ai épargnés du coup le mois dernier. Vous savez, en plus de mon épargne, tout ce que j'ai pas dépensé de mes enveloppes. Et je vais rien rajouter là tout de suite. Je pense que je ferai ça encore en fin de mois, on verra. En tout cas, là je laisse comme ça. Noël, hop là. Noël, je vais mettre 50 euros. Voilà. Ah bah j'y vais pas noter là. Donc en janvier 60, j'avais mis 60 et là je mets 50. J'aurais dû mettre 60 aussi mais c'est pas grave, je verrai dans le mois. 50 et pour arriver à 600, vous savez, je vous avais dit je voulais monter un peu le budget pour Noël parce que j'avais manqué. J'ai manqué là, j'ai dû rajouter pour le repas et je voudrais avoir tout dedans. Mais j'ajusterai, j'ai le temps, c'est que le début de l'année. Rentrée scolaire, là c'est pareil. Je vais mettre 50. Et en vrai, je me suis un peu embrouillée, je sais même plus combien j'avais mis le mois dernier. Je me suis embrouillée quand j'ai fait mon TikTok, donc là j'ai 50 euros, je vais marquer 50. Mais. Comme j'avais pas noté, vous voyez, ce qu'il faut noter, hein, et j'ai pas eu le temps ou voilà, bref, j'ai zappé après de regarder dans ma vidéo, mais c'est pas grave, quoi qu'il en soit, là il y a 100 euros, je vais noter ça. Plus 50, 50, et là encore plus 50, et ça fait 100. Mais là c'est pareil, je vous avais dit, je vais augmenter un peu parce que je sais pas en CE2 quelles sont les dépenses à prévoir, donc voilà, bref. En attendant, on a 100 euros pour le moment. Mais bon, après, août, ça arrive très très vite. Donc, je verrai d'ici 2 mois où j'en suis, mais sûrement mettre un petit coup d'accélérateur. D'ailleurs, je réfléchis si j'avais pas mis. J'avais enlevé? J'avais pas enlevé rentrée scolaire. Bref, je vais regarder parce que ça me paraît bizarre qu'il n'y ait que 50 euros. Mais comme je vous dis, là, j'ai pas toute ma tête, mais il me semble que j'avais pas enlevé ce que j'avais mis l'année dernière, là. Je sais pas ce que j'ai fait. Il faut que je regarde. Mais je vous avoue que faut que je fasse attention, que je m'organise mieux, parce que quand je fais mes TikTok, du coup, en fait, je fais ça 2 fois. Et le mois dernier, je me suis complètement embrouillée, donc faut que je regarde. Vacances. Ce mois-ci, je vais mettre 20 euros. Je vous dis, c'est une gestion, hein. C'est une organisation de le faire 2 fois, pas se tromper. Donc le mois dernier, j'ai mis 40 et là je mets 20. Donc ça nous fait 60. Je crois que j'ai prévu 20. Je verrai après quoi, si je me suis pas trompée. C'est un peu chaotique, hein. Là je suis désolée, c'est chaotique. Mais moi-même, je suis dans les chaos là. Bon, je me suis dit, je vais quand même la tourner parce que c'est quand même la vidéo que vous attendez le plus, celle du début de mois. Mais voilà, c'est très difficile pour moi. J'espère que vous serez compatissant, complaisant, tout ça, tout ça. Anniversaire, là, j'avais mis 40 aussi. En tout cas, j'ai 40 dans mon enveloppe. Ce mois-ci, je mets 20 euros. Donc, je vais noter là aussi. Que j'avais pas noté, je m'étais dit que j'allais vérifier
dans ma vidéo du coup du mois dernier et en fait je ne l'ai pas fait. Donc je note ce que j'ai là et je laisse comme ça. Donc si vous voyez que c'est pas tout à fait comme le mois dernier, c'est normal. C'est pas grave. Désolée. Pardon les amis. Santé. Là j'ai 100 euros. Je rajoute 50. Là je vous avais dit, hein, je mets plus que l'année dernière, en tout cas quand je le peux, parce que là c'est pareil, je sais pas, je vais marquer 100 euros. Mais j'ai pas mis 100 euros le mois dernier, j'avais déjà des sous dedans. Mais voilà, je mets ce que j'ai dedans. Et là je mets 50, ça fait 150. Hop. Donc je préfère mettre le plus possible quand je le peux, parce que comme dit, on sait jamais. Vêtements, je crois que j'ai prévu 40, mais alors, par contre je vais être embêtée parce que j'ai des billets de 50, j'ai trop de billets de 50 là, alors qu'il me faut des billets de 20. Oui, j'ai dû faire des bêtises parce que il me reste beaucoup trop là. Donc là je crois que j'ai prévu 40 ici, donc 40 et 44, 20, là, je vais prendre un billet de 5, je vais faire comme ça, ça me fait un peu de monnaie. Ensuite, beauté 20. Et là, ça nous fait 40. Pour les personnes qui n'auraient pas vu la vidéo où je vous explique un petit peu comment je vais fonctionner cette année, là ce sont les enveloppes pour 2023, pour l'année prochaine. Donc je ne vais pas y toucher de l'année à celle-ci, sauf Noël, qui sera pour Noël 2022, et la rentrée scolaire. Et puis santé si jamais il y a besoin. Béni 20. Voilà, excusez-moi, je suis désolée. Vous voyez bien, j'ai pas vérifié depuis tout à l'heure mon écran parce qu'il est un peu trop haut pour moi, comme je suis pas très grande et je vois pas. J'espère que vous voyez bien. Elliot 20. Mon homme 20 aussi. Ça fait 40. Et là, vous voyez, il y a un problème parce que, à mon avis, j'ai mal. J'avais prévu. Là, normalement, j'ai 20 euros pour moi. Bon, là, j'ai pas de monnaie, donc c'est pas. Est-ce que je peux pas faire la monnaie quelque part? Non, je l'ai déjà fait en fait avant la vidéo. Ah si, là peut-être. Ah oui. J'avais déjà fait avant la vidéo parce que j'avais presque que des billets de 50. Donc bref, là je prends 60. Mais du coup, vous voyez, j'avais dû prévoir 40 ici et 40 dans... dans quoi j'ai mis que 20? Dans vacances. Parce que c'est ce qui me reste là. J'ai eu un doute et je pense que c'est ce que j'avais dû prévoir. Je vais les rajouter. Là, en tout cas, je vais mettre 20 ici, que je n'ai pas mis. Hop. Donc là, ça nous fait 40. Et du coup, je vais rajouter, c'est ce qui me semblait, mais franchement, j'ai eu un doute, donc j'avais préféré mettre 20. Je vais rajouter 20 dans vacances. Donc là, avec le doigt, c'est pas super, mais hop. Donc là, 40, ça nous fait 80, et je vais faire pareil dans anniversaire.
En fait, comme le mois dernier. J'avais prévu comme le mois dernier, mais franchement, j'avais un gros doute. Et j'ai pas recompté, donc voilà. J'espère que vous m'en voulez pas pour cette vidéo chaotique. Voilà. Et on est bon, du coup, pour les enveloppes du mois de février. Voilà. C'est fini. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, même si c'était, bon, un peu brouillon par rapport à d'habitude. mais vous avez vu la vidéo, donc voilà. comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche, tout ça, tout ça. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.